Ben, je vous présente Light & Shadows. Hein. Light & Shadows, c'est une société basée à Suresnes, en périphérie de Paris. C'est une société qui a quatre activités, avec une première activité qui est du logiciel, un logiciel en fait, de traitement de données, qui nous permet de récupérer des données CAO soit directement dans Unity, soit pour faire du traitement plus approfondi avec du retournement normal, de la simplification, de la réparation. Donc ça, c'est une première activité qui nous permet de récupérer les données de nos clients. La deuxième activité, c'est la création de contenu. Donc nous faisons du contenu photoréaliste, surtout du contenu pour l'automobile et l'aviation. On fait du temps réel, du précalculé, des configurateurs internet. Donc on produit en fait des millions d'images par an. C'est un process très industriel, avec quand même un peu de création et surtout une valeur ajoutée infographie. Ensuite, on a une activité de produits. Là, je peux vous montrer quelques produits que nous avons sous cloche. Ici, nous avons un petit module de communication qui s'appelle le Core, avec un accéléromètre, un gyroscope, une batterie et la possibilité de communiquer en Bluetooth avec donc des éléments qui sont ici des éléments d'accueil où on va avoir le Senso qui va permettre de naviguer dans un environnement virtuel. On va avoir ici le Node où on va pouvoir simuler des visseuses ou des moyens de préhension. C'est un réseau tubulaire en fait, là on en voit juste un petit morceau, un gros réseau tubulaire. On va pouvoir simuler des modes de préhension un peu innovants. Ce petit module électronique, on le programme une seule fois avec son interface Unity, par exemple, ou 3DVIA, ou autre. On est en train de l'interfacer avec beaucoup de logiciels. Et ça permet donc de virtualiser ces outils-là, mais aussi tout autre outil. On a fait récemment la virtualisation de pistolets de peinture, de gâchettes pour de l'essence, pour délivrer de l'essence, enfin voilà, ce genre de choses. On a une autre activité qui est donc au-delà du produit, du contenu et du logiciel, de spécifications clients. On va faire par exemple un simulateur de menuiserie, on va faire un simulateur de soudure. Et ça, c'est vraiment en fonction du cahier des charges du client. Et ce cahier des charges, ben, on essaye d'y répondre au mieux avec du contenu, du logiciel, parfois du matériel spécifique. Vous pourrez voir par exemple sur le stand du CEA donc nos logiciels, vous verrez sur le stand HRV des chaussures connectées avec la possibilité de capter les pressions du pied et donc d'avoir une analyse posturale un peu d'un opérateur. Voilà, nous sommes très industrie avec des grands comptes en clients, Alstom, Airbus, on aura aussi PSA, Renault. Voilà, donc essentiellement des grands comptes industriels. Et enfin, on a un autre produit que l'on présente aujourd'hui, qui est le Neo. Donc le Neo, vous l'avez sans doute vu déjà l'an dernier. Là, il est dans sa mouture définitive. Le Neo reste avec un field of view de 135 degrés, avec des lentilles custom. On a ajouté donc des mousses amovibles aimantées viscoélastiques, donc avec mémoire de forme, avec un tissu qualifié d'hypoallergénique, utilisé dans les hôpitaux. On a un serrage mécanique, donc qui nous permet d'avoir un bon maintien. On a la possibilité, avec un sélecteur à l'arrière, de sélectionner deux types de constellations qui sont en façade invisible derrière le plastique, deux constellations de LED infrarouge. La partie logicielle, donc on est toujours avec un logiciel de streaming qui nous permet d'avoir une latence moyenne de 55 millisecondes. Tout dépend quel logiciel on utilise, mais c'est juste nous un drag and drop de la fenêtre du logiciel 3D. Donc vous avez du CATIA, vous avez du Unity par exemple, vous faites un drag and drop de votre fenêtre et c'est directement envoyé sur l'écran de Neo. On a pour l'instant, c'est une version limitée en nombre parce qu'on a déjà une version pour le mois de septembre avec un GPU Nvidia, donc le K1 qui sera à l'intérieur et là la latence devrait tomber selon le test que l'on a fait avec un premier prototype à 18 millisecondes. Voilà, pour une résolution de 2560, la résolution qui est là, donc 2560-1440. Donc le piqué est très intéressant, on commence à voir tous les pictos. Et bon, je vais inviter Greg à faire une petite revue là-dessus. Effectivement, il faut l'essayer pour l'adopter. Ça, c'est toujours la difficulté d'en parler, mais de ne pas pouvoir le montrer plus que ça.
Donc là, on se retrouve sur le stand du CEA et de la société HRV pour vous présenter le corps que vous avez vu tout à l'heure de la société Light & Shadows. Le corps est aujourd'hui, là, sur cet exemple, mis dans un petit boîtier de protection. Donc le corps, il va permettre de communiquer toutes les informations de capteurs qui sont placés sous la semelle, donc à l'intérieur, hein, sous la semelle de la chaussure, des capteurs de pression qui vont permettre de détecter la pression du pied. Donc dans l'exemple qui est présenté ici, c'est pour analyser la posture d'un opérateur et puis s'assurer qu'il n'est pas en fatigue. Mais on pourrait imaginer que cette semelle serve aussi à détecter des mouvements, des déplacements, simuler des déplacements tels qu'une moonwalk par exemple, et puis se déplacer dans l'environnement virtuel. Voilà.